Alors, je suis Soukaina Ouedraogo, Social Impact Manager, récemment certifiée en suivi évaluation. J'exerce en tant que consultante et je travaille sur des projets à impact. J'ai été en Master 2 en organisation appliquée, comment à HEC Paris et à l'IAE de la Sorbonne. Et ensuite, j'ai rejoint le PhD d'HEC en sciences de la décision. Le PhD que j'ai fait à HEC était en sciences de la décision, avec une spécialisation en psychosociologie. Donc on a étudié les sciences du comportement, en particulier ma thèse était sur la diaspora mouride. Happy Afrique est une entreprise sociale et solidaire qui conçoit, commercialise et distribue des produits d'hygiène réutilisables et notamment des serviettes hygiéniques réutilisables pour les jeunes filles. J'ai rejoint Happy Afrique en tant que consultante pour un appel d'offres pour Botnar tout d'abord, également pour la labellisation Bicorp et actuellement je suis chargée du projet Changeant les règles. Alors, cette campagne sur le cycle menstruel était vraiment passionnante parce qu'au début, le défi c'était trouver un moyen de rendre accessible l'information pour les jeunes filles. Et on a tout de suite pensé au digital. C'était un réel défi parce qu'en fait, on essayait de joindre les filles dans des milieux peu urbanisés. Et au départ, on s'est dit que dans ces milieux-là, les filles n'étaient pas du tout digitalisées, ce qui est complètement faux. Et ça a hyper bien fonctionné. C'était topissime. Et ce qui a été super sympa dans ce projet, c'est l'approche UX design. Il a fallu être au plus près des bénéficiaires, il a fallu faire des enquêtes auprès des filles, il a fallu maîtriser le développement de l'application, il a fallu utiliser un langage que ces jeunes filles-là comprenaient, donc il y avait la partie pédagogique. En fait, c'était un projet hyper complet et ça, j'ai adoré. Alors déjà, le label Bicorp, c'est un label international qui récompense les entreprises qui veulent être les meilleures pour le monde, c'est-à-dire qui s'engagent à faire des choses bien, tout simplement, pour le social, l'environnemental et autres. Et au Sénégal, il faut savoir qu'il n'y a pas de statut légal pour les entreprises qui font justement le bien pour le monde, c'est-à-dire les entreprises sociales et solidaires. En France, je sais qu'il y a les entreprises ESUS, mais au Sénégal, ça n'existe pas. Happy Afrique est une entreprise qui prend soin de ses salariés, par exemple, qui va au-delà de la législation sénégalaise, légale en termes de ressources humaines. Les produits ont des matières premières certifiées, GOTS par exemple. On a des mesures d'impact particulières en termes environnementaux. En termes organisationnels, en termes de gouvernance, et tout ça faisait que Happy Afrique rentrait largement dans le cadre en fait, de la certification Bicorp. Donc c'était une évidence. Ouais, ne lâchez pas le réseau, c'est hyper important. Vous avez vécu de superbes années, c'était fun, certes, la vie continue, professionnelle, etc. Et le réseau, c'est hyper, hyper important. Mon erreur, ça a été de lâcher un moment. Et aujourd'hui, je lance un appel via HEC United. Pour ceux qui me reconnaîtront, voilà, je suis là, Soukaina. Voilà.